Salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui sur Code QG pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble le pass de combat de la saison 5 qui vient tout juste de sortir. On va donc découvrir ça ensemble comme on le fait traditionnellement à chaque saison sur Code QG, donc assurez-vous de vous abonner et de lâcher votre plus beau like et donc on va découvrir tout ça ensemble avec un logo qui est joli. Ça commence déjà bien, on va découvrir tout ça ensemble. Comment ça marche? Je pense que ça a toujours le même procédé. On va acheter le pass de combat. Je vais prendre le pack de pass de combat étant donné que c'est encore le mois d'août, il y a encore une petite période de vacances. On joue pas beaucoup, on joue un peu moins. Donc histoire de ne pas perdre trop de temps, sachant que je n'avais même pas fini le pass de combat de la saison 4. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous aviez terminé le pass de la saison 4. Et voici donc un premier aperçu du pass de combat de la saison 5. Alors on ne regarde pas, on va revenir en arrière bien entendu. Et hop, on ferme les yeux, je vous dis quand c'est bon. Ok, on est bon. Alors déjà, quand on commence, on obtient une apparence bonus. Donc ça, c'était déjà ce qui avait été indiqué. Si vous achetez le pass de combat avec les 25 paliers, vous obtenez donc ce skin Kyuubi pour l'apparence d'opérateur Kitsune, qui est sympa, qui, d'après ce que j'ai compris, a fait pas mal réagir sur Twitter. Mais ça, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, notamment dans la dose de dimanche prochain. On a bien entendu les nouveaux opérateurs, donc Kitsune et Garcia. On a une montre, on a du double XP. Ah non, ça pardon, c'est le bonus, le boost d'XP de la saison 5. Et on commence donc avec les éléments à proprement parler de cette saison 5, avec tout d'abord un autocollant, une carte de visite, du jeton de double XP. Je passe vraiment sur ce qui n'est pas très très intéressant et on va plutôt s'attarder sur les skins d'armes et les skins d'opérateurs. Alors là, on a déjà une première apparence pour la FFAR qui est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup ce petit côté bleu et doré. Au niveau des atouts, ça a l'air d'être, des accessoires, pardon, ça a l'air d'être pas trop mal. Déjà, on a le silencieux Agency, ce qui peut être vraiment utile sur Warzone. On a des code points, du double XP, moto, un emblème, un skin d'opérateur pour Woods, une apparence pour Woods, qui est assez classique. J'ai l'impression que c'est une apparence qu'on avait déjà dans le mode campagne, donc là ils ne se sont pas trop foulés. Des éléments cosmétiques, on a une des premières armes, la EM2, qui est donc un fusil d'assaut automatique, un fusil britannique polyvalent, bon contrôle de tir, lunettes de zoom faible intégrées pour une meilleure précision, cadence de tir réduite, portée fiable. On aura sûrement l'occasion de voir des gameplays avec cette nouvelle arme très prochainement. c'est excellent. C'est ça qu'on veut. Des code points. Là, on a une apparence pour un pistolet Bravo. C'est le Magnum, si je ne m'abuse. Une exécution. Qui est sympa. J'ai l'impression que c'est un peu du déjà vu, ça. Là, on a une apparence d'opérateur. Alors ça, c'est un skin qu'on avait déjà vu sur le trailer, mais une image promotionnelle de la saison 5. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément penser à une apparence d'opérateur qu'il y avait déjà sur Modern Warfare. Je vous affiche vite fait une image de l'opérateur auquel ça me fait penser. Peut-être que vous allez me dire que pas du tout, mais moi, je trouve qu'il y a quand même une grande inspiration. Une variante d'arme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arme? Je vais encore me faire défoncer dans les commentaires parce que je ne connais pas le nom des armes. Je vais pas m'avancer. Je dirais comme ça que c'est la M4. Je vais me faire défoncer. Allez-y, défoncez-moi en commentaire. Jetons de double XP, des code points, une variante d'arme pour le Hour, qui est assez jolie. J'aime bien avec les petites cartouches comme ça sur le côté. On a du double XP d'armes, on a des apparences pour les véhicules. Là, on est sur la PP Bison, qui est jolie également, en bleu et doré. Très sympa. Un réticule, du double XP, une apparence d'opérateur pour Beck. C'est assez classique. La Tech-9, qui est donc la nouvelle SMG. Mitraillette semi-automatique, précision améliorée et très faible recul, dégâts importants, portée moyenne.
hâte de voir ce que ça donnera in-game. On a des code points, une carte de visite, une montre. On a une... Alors ça, c'est pour la RPD. Je suis pas hyper fan du côté bleu-mauve comme ça. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Des jetons de double XP d'armes. Elle est longue, non? J'ai l'impression. Elle est très longue. Ce petit mouvement là avec des craquements de doigts, j'ai l'impression qu'il est plus long que les autres. Je dois me tromper, ça va être juste une impression. On a eu un skin pour... Alors ça c'est la QBZ. Qui est très jolie en rouge comme ça. Rouge et blanc. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Très jolie. Pour des skins pour des véhicules. Là on a une apparence d'opérateur pour Stone. Assez classique. Rien de bien folichon. Des code points. Là on a une apparence pour la Milano. Oh, qui est très très jolie. Très 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 jolie. Au niveau des accessoires, j'ai pas l'impression que c'est la folie. Mais en tout cas, c'est très 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 joli. Je la trouve très sympa. Jeton de double XP. Là, on a un emblème. Une apparence pour la Type 63. Qui est très jolie aussi, je trouve. Le côté rouge et blanc comme ça, assez discret. Mais assez sympa. Jeton de double XP d'armes. Un réticule des code points. Une carte de visite. Oh! 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 Ah, j'en connais qui vont jouer avec sur Warzone. C'est. Ah, purée. C'est un peu ridicule quand même, je trouve. Une variante pour. Alors, ça, qu'est-ce que c'est, Fida Swindia? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Je viens de me réveiller. J'ai la tête un peu dans le cul. Donc, vous serez indulgent. Un emblème. Du double XP, un porte-bonheur sentiment mitigé. Là, on a une apparence, un skin pour Fuvidasso Charlie. Très sympa également. On dirait un sous-marin. Torpille rouge, oui, ça prend bien son nom. On a là des code points, du double XP, un emblème. Oh, c'est joli ça. On dirait la Tech 9, la nouvelle arme. Assez joli, assez coloré. Bon, c'est du Treyarch, donc forcément, on s'en doute. Skin d'opérateur pour Powers. Rien de très incroyable. Un réticule, une montre. Du double XP, une carte de visite. Une apparence pour... la balayeuse. Très jolie en blanc et doré comme ça. J'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là, on a des code points, un emblème. Un emblème. J'ai cru que c'était un autocollant. Du jeton de double XP d'armes. Un porte-bonheur et un skin d'opérateur pour Song. Assez classique également. On a une variante pour la Groza qui est également très jolie, un petit peu côté diamant. Très jolie. Ou émeraude. Émeraude plutôt que diamant, excusez-moi. Là, une compilation World at War, donc des musiques de World at War. Oh là 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 là. Je vais pas les passer dans le doute où il y aurait des copyrights qui pourraient s'appliquer. Mais franchement. Surtout que, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, il y a des rumeurs qui voudraient que plusieurs maps de Call of Duty World at War, qui était donc le Call of Duty qui était sorti juste après Call of Duty 4, Call of Duty Modern Warfare, il y aurait plusieurs maps issues de Call of Duty World at War qui soient remasterisées et qui seraient disponibles pour Call of Duty Vanguard, le prochain opus de la saga qui sortira en novembre. Tout est détaillé dans la vidéo d'hier que je vous invite à aller voir. Des code points, un autocollant, une variante pour le M82. Également très sympa, très sobre quand même. Enfin, on n'est pas sur quelque chose de trop, entre guillemets. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et une carte de visite du double XP d'armes. Là, on a un emblème, une apparence pour Vargas. Qui est également très classique. Je trouve que les skins d'opérateurs pour l'instant sont pas dingues. Surtout qu'on approche déjà de la fin. Une apparence pour le... C'est le M1911, ça, je crois. Je dois dire une énorme connerie. Dites-moi tout ça en commentaire. Des code points, du double XP, un porte-bonheur. Là, on a une variante sur l'EBR. Pas sur l'EBR, sur le DMR, pardon. Là, on a un autocollant, du double XP d'arme, un réticule. Alors ça, c'est une apparence pour le couteau. Oula, ça bouge bizarre dans le menu. Ils l'ont mal centré. Oui, assez classique. Une apparence d'opérateur pour Wolf. Qui est aussi
assez basiques, je trouve. Ils sont pas trop foulés pour l'instant. Des code points, une carte de visite, une montre, des musiques des années 80. Donc là, on va vraiment pas aller les écouter, mais je vous laisserai aller voir ça par vous-même. Là, on a quelque chose qui est évolutif et qui est vraiment, qui a l'air sympa. Un petit peu dans le même esprit que celle qu'on avait eue pour la Milano au début de la vidéo. Ça a l'air sympa, on verra ça in-game bien entendu. Du jeton de double XP, un porte-bonheur, des code points, un emblème animé très sympa. Et donc on arrive à la fin de ce pass de combat avec une apparence pour Kitsune qui est une apparence ultra, qui est également évolutif. Très sympa, une apparence également... j'ai cru que c'était évolutif, non pardon, c'est la dernière apparence pour la Tech 9, là on a des véhicules pour Warzone et pour Black Ops Cold War, et enfin l'emblème de cette saison 5. Donc voilà, on a fait le tour du pass de combat de cette saison 5, j'espère en tout cas que ce pass de combat vous plaît, dites-nous en commentaire quel est l'élément qui vous plaît le plus, et quant à nous on se retrouve très bientôt, ça sera dimanche prochain avec Check Da Crew dans la dose, ça sera l'épisode 83 si je ne m'abuse, de toute façon vous saurez ça dimanche 10h30, vous connaissez la chanson, quant à nous on se retrouve très bientôt sur Code QG pour des vidéos leak, voilà c'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye.